Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de la Terrascape. Nous retournons sur nos casse-têtes, nous en avons un nouveau. À en perdre haleine. Les fonderies de fer ont besoin d'un apport continu en fer et en charbon, mais profitent également du bois, qui sera soufflé. Les braises ou le souffleur. Trop de traits d'esprit le matin là. Non mais c'est trop. Oh, santé à moi. Oh, oh. Ça ferait presque un joli papillon. Ah, nouveau bâtiment. Fonderie de fer, mine de fer, charbonnière, bûcheronnage. Fer, fonderie de fer, bûcheronnage 5. Bûcheronnage 10 et fonderie de fer 10. Ok. Je pense que c'est placé. 42. Ah ouais, avec un... Ouah. Donc toi, seul le bois t'apporte des bonus, là, en l'état. D'accord. Si je dis pas de bêtises... La charbonnière, tu vas aimer... Ouais, enfin non, la fonderie, tu vas aimer les charbonnières. Ah, autant que les bûcheronnages. D'accord. Donc l'idée, ça serait plutôt de poser ça par là. Après avoir posé mes bûcherons, quoi. Ça a un sillage de... Ah, ça a des grosses zones, ça. Deux, hein. Deux, c'est pas mal. Hein. Ok, et j'en ai quatre à placer. Donc, une, deux... Ah, ou peut-être plus sur les extrêmes. Genre, plus sur les extrêmes. Pour éviter qu'elles se mangent l'une l'autre. Sinon, elles vont se becter. Ah. À voir. Posons nos bûcherons. Bûcheron, j'en ai 8 à placer. Ok, j'ai posé tous mes bûcherons. 42, 46, hein, si je le pose au cœur du truc, hein. Mais est-ce que c'est intéressant? Ouais, c'est intéressant. Je vais tenter des poses aux petits par rapport à leur point solo. Mais je pense que c'est nannerie, il vaut mieux perdre des points. Parce que là on est à 70, on a un 80 par là. Oh, 80 c'est très beau. Bah 80 c'est largement suffisant. En fait. C'est beau comme petit bâtiment. Hein. Et ben c'était en perdre haleine, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour la Terrascape. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.